Ça a l'air pas mal, ça. C'est complètement absurde. C'est la légende. Si tu trouves ça absurde, il ne fallait pas demander à une tête coupée. Ça a l'air pas mal. Je vois rien. Ah putain, merde. Désolé. C'est à droite, non. C'est à gauche, non. C'est là. Est-ce qu'on est... Ah bah du coup on est sûrement sur le chemin avec la chaîne. Je disais qu'il manquait cet endroit là. On est au-dessus du château. Oh merde, non. Non. Pas ça. Alors, une ici. Celle-là, elle s'active pas. Oh, putain. Oh. Je pense qu'il va falloir mettre le vent à l'intérieur. Par contre, j'en ai trouvé que deux. Non, je suis bloqué. Oh putain. Il voulait plus bouger. Ah, tiens, il y a un truc là. Ok, on va bouger le vent, on va voir ce que ça fait. Oh non, me dis pas que y en a des deux côtés. Ouais, il y a les deux de ce côté, d'accord, ça va. Et là, faut l'arrêter sur le bon en fait. Ressemblait cet endroit à la grande époque. Collinsgard était un endroit magnifique à la grande époque, avant que l'obsession des rois nains empoisonne son esprit. Comment il a pu laisser ça arriver? Le nain a cru aveuglément à la légende et il l'a poursuivi sans penser aux conséquences. Voilà le résultat. C'est en Paris, comme je le disais. Le roi nain a perdu. Oh merde, on a trois, t'es sérieux? D'accord. Ils font des ondes de choc, j'avais complètement oublié ce détail. Ah, on va s'amuser. On va rigoler, tiens.
Ouais, le sac m'a... Au final, les runes là qui me permettent de dépenser moins de rage quand je fais des attaques de 15% là, on devrait toutes les mettre. Comme ça, ça me permet de spammer les rochers si besoin. Parce que les rochers prennent énormément de la barre de rage. Donc au final, c'est vachement utile. Allez, on va voir à quoi ça ressemble. Cette armure. Déjà, faudrait que j'aille au bon endroit. Vous avez trouvé les matériaux légendaires? Incroyable! Oh, j'ai tellement hâte! Retrouvez-moi dans le temple et on pourra s'y mettre tout de suite. Pensez pas te retrouver ici. Vu que Brock et toi vous êtes réconciliés. Tout se passe bien? Oh, mieux que jamais. Tu sais, je pense que nous avons beaucoup mûri pendant cette séparation. Alors qu'est-ce que tu fais ici? Je prends un peu l'air. D'accord, j'aime mon frère. Mais il sent quand même le vieux boucle les nœuds. Sympa. Ok, on va prendre la porte et on retourne au... au temple. Merde, elle est où la porte en bas ou en haut? Elle est ici. Ça donne. Pourquoi est-ce qu'Odin cherche à tout prix à accéder à Jotunheim? Il est convaincu que ce sont les géants qui scelleront son destin une fois le Ragnarok venu. Ce sont les plus vieux ennemis des As, après tout, et c'est leur armée qui est censée le défaire à la fin. Mais avant tout, ils convoitent leur don de clairvoyance. Ils cherchent à acquérir leur savoir et à profiter de leur vision. Tant de souffrances auraient pu être évitées si son insatiable curiosité ne surpassait pas à ce point sa sagesse. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, rappelle-moi de t'expliquer pourquoi on l'appelle le Seigneur des Pendus. Le Seigneur des Pendus, sympa. Ah, c'est parti. Vous êtes radieux tous les deux. On a trouvé les matériaux. Mais ils sont tellement bizarres. Comment vous allez fabriquer une armure avec des choses si... T'aimes les oignons? Les oignons? Parce que c'est pas des oignons. Secret de fabrication. On a nos méthodes. Oh. T'aimes les oignons parce que c'est pas des oignons. Feu d'Arès. Pas mal. J'ai bien envie de tester le feu d'Arès. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour vous? Rien. C'est bien que vous ayez réglé le problème. Ah. Bien. Je pourrais t'en dire autant. Ah. Oui, je crois que j'avais un peu perdu pied. Il lui a dit ce qu'il devait entendre, si tu veux mon avis. C'est pareil. Je suis désolé de t'avoir parlé comme ça, Shinri. Tu me pardonnes? C'est déjà fait. Tu
tu l'as dit, le problème est réglé. Maintenant, au travail, pour que je devienne... sentimental. J'espère que tu ne discutes plus avec ton frère. C'est bien qu'il devient un peu moins pénible avec le temps qui passe. Mais j'en ai pas moins une clientèle à satisfaire, moi. Ah oui? Qui ça? Bah, oh, tu viens aussi. Bien vu. Bien vu. Qu'est-ce que ce sera? C'est pas de l'or en fait, d'accord. Sacrifice ultime. Oh, on peut en créer qu'une seule. Cri des innocents. Et la hire du dragon. Donc on a ou celle de Brock ou celle de Sindri. Donc une c'est pour... Oups. Changer l'ordre. Voilà. Alors. Le blastron de machin forgé par Sindri. Des métaux rares favorisent runes et récupération. Je suis pas trop runes et récupération moi en fait. Mais c'est pas mal quoi. Et après, chance et force. Ça augmente de 10% la vitesse d'accumulation de la rage. Oh putain, c'est bien ça. Chance modérée d'obtenir un atout barrière protectrice qui immunise contre les dégâts des attaques ennemies quand vous utilisez une attaque runique. Alors nous on irait avec Brock, parce que c'est plutôt mon style, j'aime bien utiliser la rage. Augmente 10% vitesse d'accumulation de rage, c'est ça. Augmente de 15% tous les dégâts de brûlure infligés, c'est pas mal aussi. Après on a donc 10% la rage et dégâts de givre. Je vais peut-être pas les crafter encore, je vais attendre parce que vu que c'est unique... C'est ou l'un ou l'autre. Donc ouais, en gros c'est où tu fais mêlée force avec la hache, où tu fais rune et attaque runique. Donc ça serait plutôt avec les lames par exemple. Les lames du chaos. Et pour l'instant moi je sais pas trop en fait. J'augmente ce que je peux. Parce que pouvoir spammer les attaques runiques, c'est aussi vachement bien, hein, du coup. Hein. C'est à la limite, je préférerais ça, je pense. C'est de spammer les attaques runiques. Mais ouais, je suis pas sûr. On va attendre. On va attendre. Ouais. On va rester avec notre truc vagabond pour le moment, je pense. Puis après, quand je me serai décidé, on change. Allez, va nous les traîner. On se reverra dans les parages. On va tout refaire. Alors, il n'y a que les avant-bras, peut-être qu'on peut changer. Ça me parle. Alors. On a le truc de tir, c'est vraiment cool. On pourrait faire gantelet de vagabond, augmenter 6% des dégâts faits par les attaques à main nue. Ouais, non, c'est pas vraiment intéressant. Non, un truc de tir, ça on les garde, je pense.
plus tard. Alors. En maintenant L1, pendant quelques secondes, vous obtenez fortification qui provoque une explosion renversant les ennemis après le prochain blocage réussi. On peut voir un peu. Ah. C'est pas mal ça. On va tester. On teste. Alors, augmente 6% des dégâts infligés par les attaques man. Non. Réduit 15% le coût de la rage. Ça oui. J'en avais encore une autre. De pierre comme ça. Les coups de rage lors des attaques en rage. Hop, ok, très bien. Là, on a ça, plein de stats. Plein de stats. Très forte chance d'obtenir un regain de santé à chaque élimination après une attaque runique. Ouais, pourquoi pas. Regain de santé, non. À chaque coup réussi, c'est bien. Je sais pas quoi mettre. Dégâts de brûlure. Et résistance à tous les éléments. C'est pas mal. Voilà. Bon bah du coup on a fini la quête. Je pensais que ça allait être un peu mieux, mais alors les Valkyries utilisaient la table du royaume pour aller à Niflheim. Ouvrir le royaume de Niflheim. Ok, on va faire ça. Niflheim. Fait référence à un exemple mémorable de la soif de savoir d'Odin. La fois où il est resté mort pendant 9 jours. Écoute ça. Il s'est pendu par le cou au grand Yggdrasil, s'est percé le flanc de sa lance et s'est vidé de son sang dans le puits du destin. Il a ainsi pu parcourir le royaume des morts et accéder au secret de l'arbre monde. Si ma mémoire est bonne, ce dernier en a eu assez de lui et l'a renvoyé sur la terre des vivants. Je t'avais bien dit qu'il était fou allié, hein? Eh ben. Ça a l'air d'être un grand malade, ce. Odin. Niflheim, c'était pas le monde de feu là? Non, peut-être pas. Ah, Niflheim.
On ne peut pas dire que ce soit une destination très populaire, mais nous y voilà. Oh, quelle odeur! Niflheim, le royaume de la brume. Qu'est-ce que c'est que ça? La brume est maudite. Maudite? Il a raison. Il n'y a pas de danger pour l'instant, mais elle nous tuera si on s'y attarde. Une raison de plus d'aimer Niflheim. Ok, sympa. Bienvenue. Atreus, par ici. Oui, père. Voyons voir. On va sûrement faire des combats à l'intérieur, je suis sûr. Fais demi-tour sur celui qui pèse la malédiction d'Ivaldi, dont les talents menaçaient les dieux d'Asgard. Alchimiste, mon père est transformé en brume de Niflheim en armes et l'a contourné contre ce créateur. Ça part d'Ivaldi, ça serait bien qu'on puisse crafter des armures d'Ivaldi. On va sûrement rencontrer des nouvelles personnes aussi, enfin des nouveaux monstres. De vous voir ici. Ça m'étonne de te voir ici, Sindri. Cette brume est répugnante. Tu crois qu'une petite brume maudite va m'arrêter? Oui, tu as raison. J'essaie de fabriquer une armure qui atténue ses effets. Les matériaux dont j'ai besoin sont tous ici, dans l'atelier d'Ivaldi. Mais ils sont couverts de cette immondice, bien sûr. Attends. Autant que je sache, cette armure se trouve actuellement dans la salle centrale de l'atelier. L'entrée est scellée. Mais je peux vous faire une pierre de passage avec assez d'écho de brume. Voilà. Voilà. Cool. Oh mon dieu, Goldo, non. Évitez de passer trop de temps dans la brume. Cette puanteur risque de s'incruster dans vos cheveux, vos armes, vos armures et je Seigneur des cendres. De toucher votre matériel tant que c'est vous sûrement le boss de... Ah ben voilà, ils sont là. C'est les seigneurs des cendres. Il y a quelque chose d'écrit. Atelier d'Ivaldi, ces ruines maudites renferment de rares échos de brume qui servent à fabriquer de magnifiques armures. Les ennemis pièges et trésors sont réinitialisés quand vous revenez. Prenez tout ce que vous pouvez, échappez-vous si vous ne voulez pas être la prochaine victime de l'atelier. Cet endroit se renouvelle à chaque fois qu'on part. C'est incroyable. Atreus, concentre-toi. Ah. Cet endroit est dangereux. Bel exemple de la créativité des nains. Impressionnante et dangereuse. Ah, c'est énorme. C'est une sorte de truc de fin de jeu, d'endgame, en fait. Oh, merde. Je pense qu'on est trop bas, on met trop de temps à les tuer. C'est Kratos qui fout la merde dans MGS. Ça doit être la salle centrale. Qu'est-ce qui se passe? On peut rester là? Non, on peut pas. Ok. Debout, mon frère. Oh. Oups. Oups. Ouais, je pense aussi que c'est une map à farmer, des ressources pour les... Peut-être les dernières armures du jeu, un truc comme ça. C'est intéressant. Putain, ça fait chier, je me suis fait écraser comme une merde, quoi. Putain, je l'avais même pas vu.
Et ouais, du coup, on recommence ici, quoi. On va retenter. On va voir si on peut pas récupérer quelque chose d'intéressant. Et après... Oh mon dieu, c'est quoi ça? Des loups! Alors, on reteste une fois, puis après on se casse. Parce que bon. On n'a pas de pierre aussi. Je vais retourner faire une pierre. Alors, enfin, je sais. J'étais sûr d'avoir une pierre. Non, j'ai pas de pierre. Trouver des échos de brume dans l'atelier devrait être facile. Rester en vie, en revanche. Un enchantement qui améliore légèrement une stat aléatoire et vous protège contre la brume maudite. Ah, il nous faut des échos, il nous faut 750 échos de brume. Intéressant. Ah, c'est là les échos de brume. Ouais, c'est bien ça. C'est pour les armures de fin, en gros. Enfin, je pense. 1500. Et après, il faut de l'alliage et une armure rouillée. On a aussi la poignée, très forte chance de restaurer une partie de la protection contre la brume maudite de Nifemem à chaque élimination réussie. De façon passive, octroie une résistance à la brume maudite. Invoque un brouillard purificateur qui restaure un peu la santé, permet à Kratos de rester plus longtemps dans la brume. Ouais, en gros, plus on combat dans la brume, plus on récupère des choses. Est-ce qu'il y avait autre chose ? Et plus on peut avoir des équipements qui nous protègent pour dans la de la brume, pour rester encore plus longtemps, pour farmer encore plus. C'est cool. Comment on revient? Comment on sort en fait? On revient sur nos pas ou alors... Ou alors on se fait téléporter une fois qu'on a fini le passage. Ok, brouillard purificateur, ça c'est cool. Oh mon dieu, mais c'est quoi ces passages? Ok, j'ai compris. Oh mon dieu! Oh putain. Ah, terrible. Ouais, non. Non, ça va être trop trop chiant ici. On va bien. On va bien, oui. Oui. T'as vu les niveaux des monstres? On va bien. Oh, bah, s'il te plaît, j'étais en... Ouais, non.
Ouais, je pense aussi, ouais. Genre farmer la première salle et faire des allers-retours, peut-être. Mais bon, je pense qu'il nous manque des niveaux. Là, c'est pas possible. Là. On a du 7, 7-8 en début de jeu. On est que 6. Donc je pense que ça, c'est pour plus tard. On va voir si on peut en sortir facilement de la première salle. Normalement, oui. On fait juste demi-tour. On va voir. C'est pas mal, j'aime bien ce système. C'est cool. Ça permet en fait de d'avoir du endgame. C'est une revenance. Oh non, t'es sérieux? Putain, pas ça. Horrible. Horrible. A plus, Goldo, je te déteste. À demain. Ça doit être la salle centrale. Y a pas d'autre coffre? Non. Allez, cassos. On verra ça plus tard. Intéressant en tout cas. Trouver des échos de brume dans l'atelier devrait être facile. Rester en vie, en revanche. Faudrait se faire un équipement que de brume en fait. Ça marche, à plus. D'accord. Coup de brume. Mais c'est bien qu'ils aient fait ça. En gros, c'est... Donc pour l'instant il y a deux royaumes optionnels. Donc il y a le royaume du feu là avec la grosse épée où c'est qu'il y a des... il y a du combat. Ils ont pas de quête non. Il y a du combat à faire. Et là c'est plutôt de la farm. Sympa. Vachement sympa. Allez, on va se concentrer un peu sur l'histoire principale. Le chemin de Jotunheim. Trouver la mystérieuse porte de tir. Cette porte près de l'eau sur la partie arrondie du temple. Ah, faut retourner à Midgar. Le destin est une chose complexe, petit. Et Odin est assez arrogant pour croire qu'il peut le déjouer. Le destin n'est qu'un mythe inventé par les dieux. Tout ce qui est gravé peut être effacé. Là-dessus, toi et le père de tout semblez être d'accord. Même s'il ne peut empêcher le Ragnarok, il espère pouvoir en apprendre suffisamment pour en influencer l'issue. Rappelez-moi de vous parler des loups plus tard. Bonne nuit, Gundrick. Merci d'être resté. Enfin, d'être venu et d'être resté jusqu'à maintenant. Ça fait tard. Enfin. Maintenant, on n'a plus qu'à trouver à quelle porte correspond cette clé. Elle doit être quelque part autour du temple. On a encore tellement à visiter. On peut même revenir sur nos pas parce qu'il y a des endroits qu'on peut... On peut ouvrir chez les elfes, il y a une porte secrète. On peut y aller, ouais, on peut y aller et combattre une Valkyrie, mais j'ai pas vraiment envie. Pas maintenant. Après, peut-être plus tard.
Ok, là, il y a quoi là-bas? Bon, pas grand-chose. La rune de tir, c'est ça. Joli. On est entré. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Je n'en sais pas plus que toi, petit frère. L'arbre. On est sous la salle de passage entre les royaumes. Mais pourquoi le sol est au plafond? Ces portes de royaume semblent refléter celles du dessus. What? Là-haut, Tyr a utilisé la même magie pour protéger la rune noire. L'indice qu'on cherche est peut-être à l'intérieur. Ah, juste à côté de la porte vers Yotunheim. Intéressant, mais est-ce qu'on peut l'atteindre? Pas d'ici. Oh. Oh, qu'est-ce qu'il y a derrière? On peut passer? Eh bien, chaque sanctuaire en renferme un autre. Ces tapisseries, c'est encore l'œuvre des géants. J'ignore ce que Tyr a fait pour eux, mais ça devait être important. Je parie qu'on va devoir combattre des géants. Je sais pas pourquoi, mais... Oh, qui est-ce? Ça, des géants? Oh, ils ont des cornes et tout, putain, c'est la merde. Atreus, c'est bien la rune pour Jotunheim? Oui, et regarde, on est de l'autre côté de la porte. La porte est à l'envers. À quoi tu penses? Recule. D'accord. Ah, oh, putain. À quoi tu penses, Kratos, s'il te plaît? Partage. Oh mon dieu, le fou. Qu'est-ce qui bouge? Tout le temps. Extraordinaire. La salle tout entière est construite sur une sorte d'axe. Ah. Il y a des chaînes de roule, chaque côté. En fait, ça... Sans elles. On peut retourner le temple. Génial. Faire quoi? Oh oh. Oh oh, il se passe quelque chose. Oh oh. Ils ont pas aimé. Bon. Elles n'ont pas l'air d'attaquer. Atreus, sur les statues. Je les vois. Ça dit vide. Plutôt sinistre. Vas-y, lis. Avant le premier et après le dernier, rien entre et aucune ombre projetée. Aoth. Tu es sûr que retourner le temple est le seul moyen d'atteindre, je ne sais quoi? Tu as dit qu'il y aurait un chemin. Le temple peut être retourné. Donc, on va retourner le temple. Ta logique est imparable. Je ne sais pas trop ce qui se passe quand on retourne sauvagement une salle reliée à 8 autres royaumes. Mais ce que je sais, c'est qu'il faut de l'imagination pour penser que ça va nous conduire à Jotunheim. J'ai plein d'imagination. Eh bien, qui sait? Peut-être que Tyr et toi êtes atteints de la même folie. C'est le bordel.
Là, Atreus. Il y en a un autre. Son nom était Bergelmir. Maman m'a dit que c'était un roi parmi les géants, il me semble. Oui, c'était le cas. Et il était plus encore. On dirait qu'il avait beaucoup d'enfants. Ça, petit, c'est ce qu'on appelle un euphémisme. Il est mort, mais personne ne l'a tué. Est-ce que les géants meurent de vieillesse? Ça arrive, mais c'est plutôt rare, d'après les légendes. J'entends des bruits. Genre quelque chose qui tape. Oh non, pas ça. Hop, deuxième porte. Ah bah. Encore ces pièges mortels. Ah, c'est encore mieux, tiens. Une armée de statues. Je ne pense pas qu'elle puisse revenir à la vie, si c'est ce qui t'inquiète. Tyr disait souvent que dans le monde de paix qu'il imaginait, les seuls soldats dont il aurait besoin seraient des statues. Une belle pensée, mais c'est un peu trop possible, non? Oh. Là, je peux passer. La troisième, je peux passer. Putain. C'est le dernier qu'il faudrait geler en fait. Enfin, faut décaler le deuxième en fait. Ah, pas mal ça. Voir un peu. Là, on en crève. Ça a l'air bon. Alors, serpent monde, ça c'est pour les runes. C'est pas mal. Merde, j'ai oublié le chemin, on vient de là. Donc maintenant c'est là. J'ai une idée, mon frère. Pourquoi ne pas laisser le garçon me porter un peu? Et te laisser rater ça? Non. Ça t'amuse, n'est-ce pas? Comment tu veux que je passe? C'est bloqué. Ça, ça monte pas au maximum. Pourquoi on a de la sève? Ah, en dessous ?
Ah, en dessous. Avec les reflets, ça faisait pas sève en fait. Merde. J'ai légèrement paniqué quand j'ai vu qu'il y avait des pics au-dessus aussi. Et ça m'a coûté ma vie. J'ai une idée, mon frère. Pourquoi ne pas laisser le garçon me porter un peu? Et te laisser rater ça? Non. N'est-ce pas? Là, il y a des pics, c'est horrible. La chaîne, on a réussi. C'est à toi de jouer, mon frère. Y a rien? Ah, me pousse pas, sale con! Y'a rien de caché. Oui. Laissez-les en paix. De toute évidence, ça ne s'adresse pas à lui. Pas de garde, rien. Ah bah voilà. Attention. Prépare-toi. Ah, terrible.